Mbote na pino bande ko balandi ya fantastic info magazine na bino agro business magazine ya business oyo tobela rabino peut être ça une opportunité ya business ya agriculture pe na ba domaine nyoso parce que chez fantastic info nous parlons que du de business kasi lelo ils allaient vraiment découverte moko donc toi ça bino une technique ya arrosage. Il y a manière de répondre aux mailles na kati ya ba ferme na bino puis na kati ya ba bisika nyonso oyo bino vraiment bozo sa misala bilanga. C'est une technique, je vous dis que c'est une très bonne technique, ça va vous aider. Il y a ko sala vraiment arrosage ya bino na bino peu importe si ka mailles ezali na côté ezali kasi na rokende si ka makasi, je pense que bozo ka son ya motopompe na rokende kuna pona bana na bili na zono bili nyonso sima toko zonga et pas invité na biso tani na plateau pour apporter bino venant l'explication nyoso na ndenge assez la technique na yo tokutani na étape suivante. Voilà, bande de colonies, bonjour, mon ami.
lolenge nini bande vazali ko benda mai na kati ya mwali ziba oyo pour permettre na bango ba arroser mikala. Bisagibino toza ko faire découvrir notre technique ya ko arroser mikala. Peu importe ba nombre ba hectare bozan nango, peu importe si ka mikala pe to ba hectare na bilo ko zami pour la méthode nini au sein là. To moni a ezali ziba mai ko to somo na biso nyoso. Va mettre un peu pour encadrer maille. Va diminuer pression en gros pour comme une grande quantité. Et ils ont placé une motopompe. Je pense que vous entendez le son. Yangwana ngambu. Motopompe yangwana. Mazali ko ça et là. Et à partir de la motopompe wana, il va sauver na maille na kati ya source au monde vani. Ils ne sont pas le seul. Presque quand on a un zinga zinga wa babi na mai awa. Mais non, quand on va trouver na mai wana, na mai oyo ko toujours mona, va trouver na wa passa motopo. Je vous dis que presque 3 hectares de bimba. Et la plantation est allée arroser à travers mai oyo so benda ma awa. Quand on va trouver na yango boye. Et dans la méthode, nous sommes en colo, ici, nous avons une première partie de la vie. Pour comprendre que nous sommes séquence par séquence. Donc, nous sommes en train de vie. Donc, nous sommes en train de nous inviter à la vie. Pour l'Anda. Tant on a passé mal qu'on a battu, les angos et bandits ont pensé à abîmer nos. Oui, mal l'air mal, tout est mal na citerne. Alors l'air au yon tout allé comme bien na mal van oyo, ils ont la couvert puis après sa passage na mal ko kené na citerne. Alors dès que citerne tondi, to kangi van oyo yase, qu'on a les colopes na citerne, tout allé na van moko ils allé ouane. Donc dès que citerne tondi, to kangi van oyo. To fungoli vani ya likolopo azongisa mayi na circuit. Est-ce que trajet o ezotinda ezalaka na ezali calculé par rapport à kolonga moto pompe ya tua van tine sika citerne na kuna? Bon, normalement il est demandé na puissance ya moto pompe. Ezali na hauteur o ezali prévu o koki ko sarela en utilisant moto pompe ya 3 pouces et puis na distance. Ah OK. Mais distance o ezali ko tinda. Ah ouais, ça ne fait même pas plus de 100 mètres. Donc, c'est vraiment nous sommes dans le bon. Puisque il y a Kobi Pekoti na mai jusque même à une distance de 100 mètres. To comment côté à ba pompe kuna, to avancer. Bande ko balandi boyoki ndenge, papa de nosi a petite technique on a expliqué. Abi bien voir même distance il y a moto pompe. Ils ala ka vraiment pe calculer hauteur tout et à calculer pour pression dans la macache. Cache to zali ko avancer malem le bozo mona zali ko kinde. Tout le monde va briquer, il y a un peu de temps à faire. La brique, il y a un peu de temps à faire, il y a un barrage, il y a un dig, il y a un renforcé dig, puisque de temps à autre, le dig, il y a un peu de fuite d'eau. Alors, comme nous sommes en pleine saison sèche,
nalingi to tonga digue wana po pour mettre fin à ces fuites qui se manifestent souvent sur notre digue. Voilà, continuons notre chemin. Tokei na ba pompe na biso. Bozomo na bilili. Nenge za yoko laki sa. A toke na ba pompe, tozo mo explication. Par rapport à ba pompe na biso. To ba nana moi na pompe oyo. Na wali boso awa. Azo fournir mai côté nini tiwa. Oyo premier robinet. Les allus qui servirent du sopon na barrosage, na bozali ko mona ba tio d'arrosage, ba tio plastique auto placé awa. Ba tio oyo ezali ko permettre de to même à plus de 100 mètres. Ce sont des tio de 50 mètres, mais to zali ko connecter yango po to même mai na musika. Alors, tio moko ya 50 mètres ezali ko permettre ko arroser milona o ezali monzinga nzinga. Mais pona ko même mai na mwa musika nous allons obliger à connecter deux ou trois tuyaux d'arrosage selon la distance ici qu'à Tolingi au Komisamaï. Et ça dit qu'à tuyau Mokoto Moussou Zali? Non, nous allons na circuit où nous allons na deux robinets. Si qu'on maï où ils ont zonga, ah ouais, yango ndezala qui na kati ya cité Amekula. Yango lukula ba fungoli, bon robinet bon et pas ça garde des fois moi ba fuite mike mike, puisque si qu'on y a cité nani robinet ya likoleza ouvert. Du coup les ongles si maïna se bar robinet za ouvert nde yango maï pezali ko kende bipai na bipai. Est-ce que ça a la même pression par rapport au nengi za ki tong moto pezali ki? Non, ce n'est pas la même pression. Dès que motopompe pezali ko sala, tu utilises ka pe ba arrosage avec le tuyau ici. Car si l'air motopompe pezali ko sala pression za la ka makasi mingi po na force ya motopompe za ko tindi la maï, maï pe bimaka na pression ya mingi. Mais ceux qui tu arrêté motopompe, to fungoli van ya likolo maï zongi na circuit. De toute manière, na niveau côté ya se, pression ezali nango suffisante pour être to arroser. Sauf soko matisi tio d'arrosage koto ya mwalikolo mingi, pression peut diminuer et komi penza ya moke. Pression peut diminuer bande ko balandi boyoki ndenge papa Donatien a pris explication pour la technique ya arrosage oyo. Donc c'est une très bonne technique pour être diminuer pe kou ya ya charge ya musala pour kota la ete ko longola ma ikuna na source. Et si kato utine bo mona ki bilili pe kino ko yana ngo kino ko kende kuna do trajet ndi ngo moni technique oyo pona bande ko nyoso bozana ba ferme bozana ba concession na bino bo moni ete possibilité a ko arrosaka bilanga ezalite voilà une très bonne technique pona bino bozomo na biso nso kuna na musika ndengo ndeko azodi ko arroser mai do mai wana zai ko arroser na biloko ezouta na pompe ona biso pola kisa ki bino bino bozomo na ndi aza ko arroser voilà je pense que mona mai yango yi wana za ko arroser donc mai wana ezouta awa na robinet ndenge to lakisa ki bino kasi bobosa na te ko s'abonner li sous vraiment na chaîne abino fantastique info bo partager li na bande ko mosusu biso to na papa de la cité to zokoba poto ke ne siko na citerne. Oyo ezali deuxième robinet ezali placé sur le circuit principal ezali ko jouer kaka même rôle na premier robinet na deuxième robinet bango mi balé bazali ko jouer même rôle bo moni pe bazé batio d'arrosage placé pona ko même mai de part et d'autre. OK toke siko na cité na poto ki ndeko souk cha pena mituna na biso je pense que bande ko balandi bozali ko landa bino moko ba explication ya technique vraiment. C'est une très bonne technique. Boka ki ba ndekope. O ba je ko arroser. Boka ki ba ngone ba lobaki. Boka ki ba ndeko vraiment ba expliquer so clair. Nenge technique e faciliter ba ngo tâche. Voilà to komi na cité na biso. Ah wa to komi na citerne. Ndeko journaliste so zali ko mona van siko yo van yo l'air ba zali ko benda ma zali ki fermé. Po awa na citerne système ezali mibale ezali na tuyau ezali ko alimenter citerne yango eteli milikolo mai lere uti na se na tirage ya motopompe mai eza kubimela na tuyau oyo na likolo me deke citerne tondi sikoyo to fungoli van oyo po ete mai ezonga na circuit puisque eza na tuyau moko ezali na fo ya citerne ezali ko capter mai po azongi se yango
na circuit principal pour to continuer ko arroser. Oui, ça qui biso citerne à peu près combien de litres? Les amis, citerne il y a 3000 litres. Alors à partir de citerne au monique milona pe ezali monzinga nzinga. Avec cette citerne, les amis ko permettre te bandeko ba maraîcher bazali ko ya ko zwa mai à partir de citerne na rosa na rosoir pour na ko arroser ba milona o ezali pene pene. Donc c'est vraiment les alli système les alli pour faciliter biso mingi musala les alli pour sala en matière d'arrosage. Ni était ce système ni était ce système en tout cas to koka ki pour exploiter étendu au yo tous alli pour exploiter en ce moment. Pour citerne tonda nous aura pris combien d'heures? Pour citerne tonda. Ce qui va robinet ni on s'est fermé. En tout cas en moins de au plus 15 minutes il fait tonda. C'est une mais le fait hein? Que le fait que l'air motopompe zali ko tinda mai ba robinet za ouvert pour na ko arroser ça nous prend plus ou moins entre 20 25 minutes mais motopompe za pression ma cache c'est ça kasi ndenge na lobby c'est parmi les meilleures qualités ya motopompe bande ko balandi alors avec ce système avantage na ngolo ko to zali na citerne les ali ko permettre te motopompe et ça la ka temps la imolaité. Puisque ce que ça dit plus ou moins 20 minutes, si tu es netodi, tu as un motopompe. Si l'air a besoin de maille pour se sentir, tu redémarres et tu as un. Donc la motopompe a le temps de se reposer, même pendant une heure ou deux heures de temps, pour te redémarrer pour la routine de maille pour la citerne. Donc ils ont permettre un peu que sous ce qu'on a maille peut arriver, une bon. Quantité à la kuna. Et permettre tout le temps de vous de toute manière, surtout le coup de commune à la saison sèche, il n'y a pas de pluie. Dans le temps dit, on a besoin de maille. Et puis, besoin de maille, ils allaient dépendre de l'état du climat de la journée. Pour ce qui est, ils allaient prendre la paix. Ils allaient dans la paix. Et quand ils allaient alors, dans ce moment-là, ils allaient faire un arrosage. Mais l'air, ils allaient ma casse. Mikale Kauki, et que Senga demande à nous et qu'on m'a fait moi. Cela veut dire par jour, tu peux être dans la motopompe, ce qui climat est allé en gros, tu peux être dans la motopompe deux ou trois fois. Mais ce qui climat est allé à Moi Makas, et que Senga tang sous toi comme même la coupe de maille, quatre ou cinq fois. Mais pendant la saison pluvieuse, ce n'est pas le cas puisque il arrive des fois que nous les bêtes qui, hein, et puis Mikale Zali Nango. Et mouillé, donc tout ça n'a tiné à quoi arroser. Donc arrosage ezali est très très indispensable, plus pendant la saison sèche, ou ezali que vous les bêtes à côté. Plus que pendant la saison sèche, pendant que vous avez une explication, vous avez une intervention à l'éconnonce par rapport à la technique d'arrosage. Vraiment, c'est une très bonne technique, vous avez un avantage. Vous avez un bon avantage, vous avez une fantastique info, vous avez vraiment que partager avec vous, vous avez un. Vous avez besoin à gros de nos anciens cas ou comme la personne dans les commentaires, de remettre Bino en contact pour na bosse ou la malamo, mais pour la formation, bandeko, ou bazan la procès à formation, il y a qui agronome. Comme la biso, de remettre Bino en contact na agro de nos anciens cas. Kasi biso na Bino, de côté de la prochaine émission na biso, pour les alikouya, pour tika la malamo. Bye bye. Bye.